Bonjour, bonjour tout le monde, vous tous qui nous suivez depuis Réveil sur la chaîne Réveil TV, voilà, et sur également notre chaîne YouTube, Réveil TV également. Donc nous sommes là pour, par la grâce du Seigneur, une seconde émission de chant, de prière, de louange à la gloire de notre Seigneur, notre Elohim. Nous voulons profiter de ce temps encore pour invoquer notre Seigneur, lui exprimer ce que nous avons sur le cœur, lui dire que nous l'aimons et que nous voulons persévérer avec lui. Et par la grâce du Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par lui seul, par son esprit. Amen. Donc nous vous remercions également, vous qui êtes à l'heure, qui nous suivez depuis chez vous, que ce soit assis sur votre canapé, que ce soit sur votre téléphone portable. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons toute la gloire à Yahushua et nous prions que pendant ce temps, le Seigneur nous visite. Nous tous, qu'il nous fasse du bien, qu'il nous accorde sa grâce. Alléluia. Alors ce matin, je ne suis pas seul, comme d'habitude, je suis avec mes sœurs. Elles vont se présenter. Bonjour Émilie. Bonjour Espérance. Comment ça va? Bonjour frères et sœurs, ça va très bien par la grâce du Seigneur. Voilà. Amen. Lurecla. Bonjour à tous, ça va bien aussi également. Seigneur soit béni. Bonjour à tous. Par la grâce du Seigneur, ça va. C'est votre sœur Mélissa. Alléluia. En Yeshua. Alléluia. Donc, comme d'habitude, comme vous le savez, on veut se laisser conduire par le Seigneur. Nous voulons profiter de ce temps pour bénéficier de sa grâce. Alléluia. Et nous croyons que le Seigneur va manifester encore sa fidélité. Parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, sur la base de ma parole, je suis avec eux. Je suis au milieu d'eux. Alléluia. On va rendre grâce au Seigneur, présenter ces moments au Seigneur, pardon, pour que le Seigneur nous conduise seul, que son esprit nous assiste et qu'il nous fasse du bien. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te remercions pour ce temps que tu permets. Nous ne sommes rien sans toi, Père. Nous voulons, Seigneur, simplement t'ouvrir nos cœurs. Et nous voulons... Seigneur, ce matin, que tu fasses du bien à nos vies, que tu parles à nos cœurs. Nous voulons te chanter de tout notre cœur. Nous voulons exprimer des paroles de bénédiction. Nous voulons nous tenir devant toi pour te rendre la gloire, pour te rendre l'honneur, pour te rendre les acclamations, parce que tu es le seul qui en est digne. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces moments magnifiques que tu permets encore. Père, ce matin, fais quelque chose de particulier encore. Parce que tes bontés ne sont pas épuisées et tes grâces ne sont pas, Seigneur, à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu nous fais vivre de ta grâce. Tu nous fais jouir de ta bénédiction. Et nous voulons, Seigneur, te rendre et la gloire et le honneur, Seigneur. Seigneur, tu es le seul que nous voulons honorer ce matin. Père, que ta présence se manifeste, qu'elle vienne toucher nos cœurs. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas, Seigneur, d'émotions charnelles. Et nous voulons, Seigneur, un toucher vivant de l'esprit, Père. Nous ne voulons pas être conduits, Seigneur, par les belles voix ou par les belles mélodies. Mais nous voulons être conduits par ton esprit, parce que ton esprit nous conduit dans la vérité, Père. Dans la vérité qui est ta parole, dans la vérité qui est Yahushua, Père. Seigneur, glorifie ton nom en esprit et en vérité. Vois l'état de nos cœurs, Seigneur, qui perçons devant toi. Nous voulons t'exprimer ce que nous ressentons. Nous voulons te dire ce que nous avons, Seigneur, au-dedans de nous. Nous voulons te dire que nous t'aimons et nous voulons profiter, jouir ce matin des délices de ta présence, Seigneur. Seigneur, accompagne-nous, fais-nous grâce. Seigneur, manifeste ta grâce. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs qui nous suivent, qui nous regardent, qui participent, Seigneur, à ces moments dans la prière, qui sont avec nous. Bénis ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui sont partout dans le monde et qui, Seigneur, prient avec nous, qui intercèdent avec nous, Père, qui invoquent ton nom avec nous. Nous te rendons toute la gloire. Ton nom seul doit être élevé. Seigneur, le nom de Yahushua élevé au-dessus de tous les noms, Père. Sois magnifié. Sois exalté, Elohim de grâce. Merci Seigneur, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Nous bénissons le Seigneur. Nous
Voilà, bénissons également Yahweh pour la présence de nos frères qui sont du côté des instruments. Voilà, donc nous rendons toute la gloire au Seigneur. On va peut-être commencer juste par un verset dans Hébreux chapitre 13. Alléluia. Ça fait du bien d'être en présence du Seigneur. Voilà, de se tenir devant lui et de répandre nos cœurs comme des enfants qui s'attendent à lui, à sa bonté. Hébreux chapitre 13. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 13, juste le verset 15. Durek, là tu peux lire s'il te plaît. Hébreux 13, 15. Par son moyen donc, offrant continuellement à Elohim un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Amen. Par le moyen de sa grâce, par le moyen de la vie qu'il nous accorde, par le moyen de son sacrifice, la parole nous encourage, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à offrir sans cesse le sacrifice de nos lèvres, notre louange qui confesse son nom. Alléluia. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire avec mes sœurs. Nous voulons simplement nous laisser conduire par lui. Nous voulons lui dire ce que nous avons sur le cœur. Nous traversons tellement de choses. Le monde est secoué, bousculé, avec des émeutes, avec des soulèvements, avec des manifestations. Mais pour les enfants d'Elohim, nous ne devons pas être distraits par toutes ces choses. Nous devons au contraire nous tenir dans sa présence et demeurer continuellement dans la prière. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons rendre grâce au Seigneur et prier. Donc, on va peut-être commencer par un chant, si quelqu'un chante en toute liberté, pour la gloire de notre Seigneur, Yahushua. Amen. Amen. J'aimerais vraiment exposer mon cœur au Seigneur ce matin, parce que c'est vrai, comme disait le frère, on passe tellement par des moments difficiles, on passe tellement par des choses compliquées, et le Seigneur est tellement bon, il est tellement grand que... Parfois, on se pose tellement de questions. On se dit, bon Seigneur, pourquoi je passe par X ou Y chose? Et on ne comprend pas forcément pourquoi. Mais cette semaine, vraiment, le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses. Et je peux vraiment réaliser qu'il y a des choses par lesquelles on passe. Il faut qu'on passe par là. Vraiment pour sa gloire, en fait. Et il pouvait m'enseigner en me disant que, tu vois, l'époux et l'épouse, ils sont dans l'intimité, en fait. Ils sont dans l'intimité. C'est dans le secret. Il n'y a qu'eux, en fait. Personne n'est là. Mais avec le Seigneur aussi, c'est la même chose. Notre intimité avec le Seigneur, c'est l'adoration. C'est l'adoration, notre vie, le chant, danser pour lui, l'adorer, c'est l'adoration. En réalité, si nous passons par tout ce par quoi nous passons, en fait, c'est simplement pour adorer le Seigneur. Parce que nous avons été créés pour ça. Nous avons été créés pour adorer le Seigneur. Vraiment, c'est ça. Et il y a ce chant qui dit « Voici ». Je suis à la porte, j'aime bien ce cantique. En fait, c'est comme le Seigneur qui nous courtise, en fait, qui dit, voici, je suis là. Alors, je veux que tu viennes dans l'intimité de l'adoration avec moi, en fait. Et ce chant est tellement merveilleux. Et quand je ce matin encore, dans mon intimité avec le Seigneur, je le chantais. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Cette relation d'époux et d'épouse avec le Seigneur, dans l'adoration. C'est vraiment une autre dimension, en fait. Donc j'aimerais qu'on chante ce chant. Voilà. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur Yeshua, Père. Seigneur, nous tenons en ta grâce. Alléluia, Père. Oui, c'est ta grâce que nous voulons. Nous voulons écouter cette voix, l'appel à l'intimité, l'appel au secret. Seigneur, nous voulons rester avec toi. C'est toi qui sais parler à nos cœurs. C'est toi qui sais nous consoler, nous faire du bien par ton amour et ta grâce. Seigneur, ce matin manifeste ta fidélité. Seigneur, ce matin manifeste encore ton amour. Et au-delà de tout, Seigneur, console nos cœurs. Au-delà des épreuves, au-delà des difficultés que nous traversons, console nos cœurs. Seigneur, tu connais tout ce que nous vivons, toutes les épreuves, les difficultés, Seigneur, mon roi, tout ce que nous ne comprenons pas, tout ce que tu permets, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés, Seigneur, mon roi. Nous voulons, Seigneur, mon roi, encore vraiment réaliser, Yeshua, Père, que tu comptes pour nous, Seigneur, mon roi. Nous ne voulons pas rester indifférents. Voici pourquoi, Seigneur, nous voulons vraiment, Papa, encore nous laisser toucher par ton amour ce matin. Non, Père,
Je t'en supplie, Père. Personne ne veut rester indifférent. Tu es trop bon, trop magnifique. Tu es si patient, si doux envers nous. Tu es rempli d'amour. Tu es notre époux et nous voulons t'aimer, Seigneur, de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Père, merci pour cet appel, Seigneur, mon Dieu, que tu nous adresses. Alléluia, Seigneur. Seigneur, c'est dans l'intimité, Papa. Intimité, Yahweh. Merci pour ton appel. Dans l'intimité que tu nous attends. Voici. Dans l'intimité que je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Ouvre et je rentrerai souperer avec toi. Voici. Je me tiens à la porte de ton cœur et je parle. Écoute. Voici, voici, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Ouvre, ouvre, et je rentrerai souper. Me voici à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je parle à ton cœur. Écoute, car je veux être avec toi. Voici, 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 je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Ne résiste plus au son de ma voix. Je te connais bien plus que ce que tu ne crois. Ne résiste plus au son de ma voix. Je veux jouir des délices de l'intimité. Nous voulons être là, Yeshua, où tu nous attends. Je veux saisir ton appel dans l'intimité. Dans ce jardin secret, Yeshua, Père. Je veux bénéficier de ta grâce dans l'intimité. Rien que toi et moi, Seigneur. Je veux jouir de ta présence dans l'intimité. Rien que toi et moi, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, que mon âme soit fortifiée dans l'intimité. Seigneur, Père, tu connais les que ma vie soit restaurée dans l'intimité. Et c'est là où tu veux siéger, dans le centre de mon cœur, Seigneur. Dans l'intimité. Que ma force Seigneur, me soit redonnée dans l'intimité. Oui, parle à mon cœur. Viens donner à mon cœur ces paroles semblables à ce baume qui guérit mon cœur blessé, Yeshua. Apporte-moi cette vie dont j'ai besoin, Père. Cette vie qui ne vient que de toi, que je ne peux avoir que de toi seul, Yeshua, Papa. Dans l'intimité. Je peux en manquer chaque jour, Seigneur. Près de toi, près de toi.
personne ne m'entend, Seigneur, rien que toi. Nous ne n'entendons les paroles qui ne sortent que de ta bouche, Seigneur Père. Ces paroles qui sont esprit et vie, qui régénèrent en moi cet amour, Papa, qui rallument encore la flamme de ton amour dans mon cœur, Seigneur Père. Dans l'intimité, je veux être avec toi. T'écouter, oh, l'intimité, pour apprendre l'obéissance à ta voix, l'intimité, pour la reconnaître, oh, l'intimité, toi mon bien-aimé. Sur son guerrier, dans l'intimité, wow. Là où la source de ta vie coule, coule, dans l'intimité, oh, coule. Oh. Là où oui, ton amour coule, dans l'intimité, là où se trouve la consolation de la veuve. De l'orphelin dans l'intimité, là où se trouve Alléluia. Le peuple secret dans l'intimité. Oui, Seigneur, dans le secret, nous voulons être avec toi, Yeshua. C'est dans le secret, Yeshua, que tu nous révèles ta volonté. C'est dans le secret que tu nous fais connaître ta pensée, la profondeur de ta pensée, Seigneur Yeshua, Père. C'est dans le secret, Seigneur. C'est à tous ceux-là qui sont Seigneur, dans le secret, Yeshua, qui tu confies, Seigneur, mon roi, Père, des fardeaux les plus intimes, Yeshua. Oui, papa, c'est dans l'intimité que tu fais des grandes choses. C'est dans l'intimité, Seigneur, mon roi, Père. C'est dans l'intimité que nous avons la victoire dans tous nos combats. C'est dans l'intimité que tu nous revêts de gloire. C'est dans l'intimité que tu nous revêts les vêtements des noces. C'est dans l'intimité que tu prends soin de nous. C'est dans l'intimité que tu dépouilles nos cœurs, Yeshua, de tous ceux qui ne t'honorent pas. C'est dans l'intimité, Seigneur, que tu nous revêts de toi. C'est là où tu me revêts d'un nouveau manteau. Alléluia, Seigneur Père. Oh, alléluia. Oui, revêts-moi, Seigneur, de ce manteau, Seigneur. Tu me rhabilles, Père. C'est dans l'intimité où tu nous apprends. Tu me donnes, Père. Seigneur, tu renouvelles, Seigneur, ce fin lin, Père. Oh, Yeshua. C'est dans l'intimité que tu fais rebriller, Seigneur, ma tunique. C'est dans l'intimité que tu couvres ma nudité. C'est dans l'intimité que tu renouvelles toutes choses. Alléluia, Seigneur. Dans les profondeurs avec toi, Seigneur. Dans les profondeurs avec toi, Yeshua. Tu nous apprends la soumission, Seigneur. Tu es mon espérance, mon espérance, mon espérance. Tu es mon salut, mon salut, mon salut.
mon espérance, mon espérance. Tu es mon salut, mon salut. Tu es mon espérance, mon espérance. Tu es mon salut, mon salut. Oh Seigneur Père, nous espérons qu'en toi, Seigneur Père, toi. Ah. Oh oui. Espérons qu'en toi. Toi le rocher des âges, l'ancien des jours, mon espérance. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur, Père Adonai. Tu m'as délivré, m'as racheté. Cette espérance dans le cœur est chaud. Ta lumière m'a éclairé. Oh, mon Yeshua. Ta parole me restaurée, elle me guérit. Elle me console, mon espérance. Tu es mon espérance, Yeshua, tu es mon salut, le salut de mon salut, mon salut. Tu es mon espérance, tu es mon espérance, mon espérance, mon espérance. Tu es mon salut. Tu mon salut, tu es mon espérance, tu es mon espérance, mon bien-aimé, mon espérance, mon espérance. Tu es mon salut, Même si le monde dit que ta venue tarde. Moi, Yeshua, je m'attacherai toujours à toi. Tu es cette espérance, Seigneur, que j'attends. Malgré les vents et marées, je n'attendrai que toi. Même si le monde dit que ta venue tarde. Oh, moi, Yeshua, je m'attacherai toujours à toi. Tu es cette espérance, Seigneur, que j'attends. Malgré les vents et marées, mon pas, je n'attendrai que toi, mon espérance. Tu es mon espérance. Salut de mon âme. Mon salut. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Mon espérance. Mon espérance. Mon espérance. Tu es mon salut. Tu es mon salut. Salut de mon âme. Mon salut. Salut de mon âme. Mon salut. Seigneur, c'est vrai. Tu es le salut de c'est vrai ma qu'il vie. Y a tant de choses. Tu es le salut de nos familles. Tu es le salut des nations, Père. C'est vrai qu'il y a tant de choses. Tu es le salut de mon pays, Yeshua, Papa. Tu es la délivrance que nous attendons. La délivrance qui il y a tant de choses. Père, véritablement, Papa. Il y a les oppressions. C'est toi notre Seigneur, Papa. Nous voulons avoir recours à toi, Seigneur. Nous voulons nous tourner vers toi, Yeshua, Père. Des sommes. Car tu es le salut. Il y a, Seigneur, le salut, Yeshua, pour la jeunesse. Le salut pour les familles, Père, Seigneur. Le salut pour les foyers. Il y a le salut, Yeshua, pour les nations. Père, le salut. De bénéficier de cette grâce. Salut, Seigneur, Père. Seigneur, accéder, Père. À la bienheureuse espérance, à cette bienheureuse espérance, tant de choses qui viennent pour me troubler, tant de choses qui viennent pour perturber ma marche, Père. Je ne voudrais pas que cette espérance me quitte. Je voudrais qu'elle soit réanimée, par ta parole, par ta présence, Seigneur, par certains mots qui viennent de toi,
Oh Yeshua, car tu me connais, tu connais le fardeau qui pèse sur ma vie. Mon espérance est vivante. Et je veux, Seigneur, Père, qu'elle ne soit pas éteinte, Seigneur, au nom de Yeshua, Père. Je veux persévérer jusqu'au bout. Je ne voudrais pas m'arrêter, ni à cause du péché, ni à cause des paroles des hommes, ni à cause du découragement, ni à cause des soucis de ce siècle, Père. Nous ne voulons pas avoir recours à l'Égypte, au monde, Seigneur, Père. Tu es notre salut, tu es notre délivrance, Père. Mon espérance. Tu es notre espérance, Papa, Seigneur. Tu es notre salut, Yahushua, Seigneur. Le seul qui peut nous comprendre, Seigneur. Le seul qui peut nous comprendre, Yahushua, Seigneur. Le seul qui sait parler à nos cœurs, Yahweh. Le seul qui sait ce par quoi nous passons véritablement, Seigneur. Oh, Yahushua, tu es celui qui compatit. Tu es celui qui compatit, Seigneur. Tu es là dans nos souffrances. Oh Yeshua, toi le merveilleux potier. Tu es là dans nos épreuves, Yahweh. Toi le merveilleux potier qui façonne nos cœurs. Oh Père. Toi le divin potier qui façonne nos vies, Yeshua. Seigneur, tu nous tiens par la main, Seigneur. Et tu nous accompagnes. Seigneur, tu nous conduis, Yeshua. Tu nous conduis, Seigneur. Oh Père. Seigneur, tu es là, Père. Même lorsque nous n'écoutons pas ta voix, Papa, tu es là. Oh. Tes mains m'ont façonné. Oh, 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 oh. Tes mains m'ont façonné. Oh, 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 oh. Tes mains m'ont façonné. Sans que je n'existe, mes jours étaient comptés. Déjà tes yeux me voyaient. Yeshua, merveilleux potier. Yeshua, tes mains m'ont façonné. Choisi pour que je raconte au monde entier ta gloire. Encore une fois, avant même que je ne sois né, avant même que je ne sois né, tu m'avais choisi pour que je raconte au monde entier ta gloire infinie, Yeshua. Tes mains m'ont façonné.
tes choix, Père. Tes mains de merveilleux potier m'ont façonné. Tu m'as donné une forme, Yeshua, Père. Par tes mains, Seigneur, j'existe. Par tes mains, je vis, Seigneur, Père. Toi qui es l'origine de la vie, Seigneur, Père. Yeshua, tes mains m'ont façonné. Et elles continuent de nous façonner encore aujourd'hui. Alléluia, Papa, Seigneur. Tes mains continuent de nous façonner, de nous transformer, Père. Car tu as un seul désir, Père, que nous puissions avoir des cœurs transformés, des cœurs à ta ressemblance, des cœurs qui t'aiment, des cœurs qui aiment la justice, des cœurs qui savent s'humilier, des cœurs qui savent reconnaître ta royauté, Seigneur Père. Des cœurs qui n'espèrent qu'en toi, des cœurs qui ne se confient qu'en toi seul, Yeshua, Père. Alléluia. Tu nous donnes ces cœurs nouveaux, Papa. Tu es mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Oh. Il n'y a que toi. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Prends la première place. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Celui qui sait parler à mon cœur. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Oh. Celui qui se distingue parmi 10 000, c'est lui seul. Alléluia. Mon bien-aimé. Chantons-le, mon bien-aimé. Yeshua. C'est toi qui comptes, Seigneur. Bien-aimé. Seigneur, tout est centré sur toi, Seigneur Yeshua, Papa. Car tu es l'épicentre de la vie, Papa. Yeshua. Tout tourne autour de toi, Seigneur Yeshua, Papa. C'est toi que nous voulons présenter. C'est toi que nous voulons vivre. C'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons adorer. C'est toi, Seigneur Yeshua, Papa, que nous voulons annoncer, proclamer, Yeshua, Seigneur Yeshua, Père. Le sort de toi seul. Toi seul, Yeshua. Sois élevé, Père, dans nos pensées, dans nos motivations, dans nos sentiments. Les toits brillants du matin. Papa, dans nos familles, Papa. Mon bien-aimé. Dans nos pays. Élevé, Papa, comme mon consolateur. Alléluia. Mon bien-aimé. C'est toi qui comptes. Alléluia. Personne d'autre que toi, Yeshua. Oh, mon rédempteur. Il n'y a que toi seul, Yeshua. Toutes choses, il n'y a que toi. Toutes choses ont été créées pour toi et par toi. Toutes choses n'existent que par toi. Toi, Seigneur Yeshua. Tu es le premier. Les voix que nous avons, c'est pour toi. Tu es le puissant. Les chants, les paroles. Et le commencement et la fin. Toi, Yeshua, Papa. Oh, tu es l'origine. L'alpha et l'oméga, la lettre et le taf, c'est toi, Yeshua, Papa. Alléluia. L'origine de la vie. Le commencement de la vie. La fin de toute vie, c'est toi, Yeshua. Tu es le début de l'histoire et la fin de l'histoire, Seigneur Yeshua. C'est toi, Seigneur Père. C'est toi, Seigneur Père. La Bible dit que la création t'adore. L'univers entier reconnaît, Papa. Même si tu es caché, Seigneur, mais ton œuvre ne peut rester discrète. Ton œuvre ne peut rester discrète, Seigneur Yeshua. Les anges dans le ciel proclament que tu es saint. Les profondeurs de la terre reconnaissent que tu es saint, Seigneur. Même Satan reconnaît que tu es saint, Père. Car devant ton nom, il fléchit le genou, Père. Tous les êtres visibles et invisibles reconnaissent ta royauté. Tu es assis sur le trône le plus élevé, Père. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, Père. Nous ne pouvons pas avoir honte de parler de toi. Nous ne pouvons pas avoir honte de toi, Yeshua. Le sauveur de ma vie. Seigneur, tu es le soleil levant qui se lève encore pour redonner espoir. Là où il y a les ténèbres, tu es la lumière, Papa. La lumière qui chasse l'obscurité, Papa. Mon bien-aimé. Tu es l'épée de l'esprit qui brise les chaînes de l'ignorance dans nos vies. Tu es la pierre angulaire, Seigneur Père. L'époux de l'église, c'est toi. Le centre de la vie de l'église, c'est toi, Yeshua, Père. La source de nos inspirations, c'est toi. L'origine de nos écritures, c'est toi. Toutes les œuvres que nous faisons pour toi, c'est par toi seul que nous le faisons. C'est toi qui comptes, Seigneur. C'est toi qui comptes, Seigneur. Le seul mari de la veuve. La Bible dit, Yeshua, que le ciel et la terre, Seigneur, mon roi, s'en vont. Mais tes paroles demeurent. De l'église. Tes paroles demeurent, Seigneur, car toi, tu n'es pas limité dans le temps. Tu es le maître des temps, Seigneur Père. Tu n'es pas limité dans une époque. Une maison splendide à son église. Le temps existe par toi. Car la Bible dit que tu n'as ni commencement des jours, ni fin de vie. Celui qui travaille, tu es l'ancien des jours. L'éternel, c'est toi, Père. Bien aimé. Ton règne
l'homme le plus beau, l'homme le plus galant, l'homme le plus magnifique. C'est toi que nous voulons révéler, Seigneur. Il ne parle pas comme tout le monde. Il est différent. Son habillement est différent. En ce moment, c'est toi qui comptes. C'est toi qui comptes. Il s'appelle Yeshua. Il a restauré cet hôtel d'adoration dans nos cœurs. Il n'est pas dans la religion. Il est coincé dans aucun système. Vies, alléluia. Il parle au cœur. Il sauve jusqu'au jour. C'est toi qui comptes, Seigneur. Il restaure. Il s'appelle Yeshua. C'est toi qui comptes, Seigneur. Le puissant de Jacob. C'est toi. Oh Yeshua. Nous voulons t'élever ce matin. Reçois toute la gloire. Tellement, tu es partout. Tu es le bien-aimé de l'Église. Tous ensemble, nous chantons mon bien-aimé. Et même si nous cessons de t'adorer, à toi que même tu l'as dit, les pierres le feront. Nous sommes rachetés par ton sang. Les pierres le feront, Seigneur. Nous avons soif de toi. Tout ce qui n'a pas vie en elle, tout ce qui n'a pas de vie, le fera, Seigneur Père. Voilà pourquoi nous avons toutes les raisons de t'aimer, Seigneur. Nous avons toutes les raisons de t'aimer, Seigneur. Ce n'est pas parce que j'ai la vie, parce que, Seigneur, mon roi Père, j'ai les biens, j'ai les grâces. Ce n'est pas à cause de ça que je t'aime, Seigneur. Mais parce que nous avons toutes les raisons, Père. Nous avons toutes les raisons, Seigneur. Avant que je ne sois né, tu m'aimais déjà, Seigneur. Alors que je n'étais même pas encore né, Seigneur, Père. Tu m'avais déjà mis dans ton plan de la rédemption, Papa. J'étais déjà inclus, Seigneur, Père, dans ta liste des rachetés, Papa, oui. J'étais déjà inclus, Papa. Tu avais pensé à moi. Tu avais pensé à moi. Se met en mouvement. Pour t'honorer, toi qui es, tu es la fin et le commencement. C'est toi, Seigneur Père. Dieu de toute éternité, les êtres des cieux se mettent en mouvement. Pour t'honorer, toi qui es, tu es la fin et le commencement. Elle de toute éternité, les êtres des cieux se mettent en mouvement. Pour ton honneur, toi qui es, tu es la fin et le commencement. Elle de toute éternité, les êtres des cieux se mettent en mouvement. Pour ton honneur, et toi qui es, tu es la fin et le commencement. Nous nous tenons devant toi ce matin. Elle de toute éternité. Comme l'armée des cieux, nous te louons chaque jour. Oh Seigneur Jésus. Comme les anges et les archanges, les chérubins qui ne cessent de proclamer que tu es saint. Nous voulons élever ce matin ton saint nom. Tu es digne de recevoir la gloire dans le ciel et sur la terre. Tu es élevé au-dessus de tout. Ton trône est souverainement élevé. Ton trône est plus haut que tout. Tu es la majesté suprême. Tu es haut, Père. Tu es assis à la droite du Père. L'autorité suprême. La majesté suprême. Tu es souverain au-dessus de toute chose. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre nom, Alléluia. Seigneur. Il n'y a de salut en aucun autre nom, Père. Il n'y a de salut, Seigneur, en aucun autre nom, Père. Qui revient et qui vient, toi qui es, qui
Yeshua. Alléluia, Seigneur Père. Oh, sois magnifié encore. Sois élevé encore. Sois proclamé encore. Oh, Seigneur, mon roi Père. C'est toi, Seigneur, mon roi Père. C'est toi, Seigneur Père. Glorieuse présence, Seigneur. Alléluia. Seigneur, voici nos cœurs devant toi ce matin, Elohim et Adonai. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le El qui peut tout et que rien ne t'est impossible, Seigneur Père. Papa, parce que lorsque Dieu de gloire, Seigneur, nous sommes abattus, Père. Seigneur, tu es là. Oh Yahweh, oui, tu es là, Père. Seigneur, je me souviens encore Dieu de gloire dans la Bible de Lazare, Père. Oh! Seigneur, on avait dit, il est mort, Yeshua. Seigneur, mais lorsque toi tu es arrivé, tu as dit, il dort. Ah, Père. Seigneur, on ne comprend pas, mais Père, Seigneur, tu agis. Seigneur, on ne voit pas, Père, mais ta main est à l'action. Alléluia. Oh, Yeshua, Papa. Seigneur, tu as ressuscité Lazare, Père. Seigneur, tu as ressuscité Lazare, Seigneur, Père. Seigneur, tu réveilles encore, Seigneur, tes enfants ce matin, Père. Seigneur, tu réveilles encore tes enfants, Seigneur. Tu vois, Père, combien de fois, Seigneur, c'est difficile en ce moment, Dieu de gloire. Prier, méditer, Seigneur, jeûner, c'est dur. Mais Père, tu réveilles tes enfants ce matin, alléluia. Seigneur, de la même manière que tu as, Dieu de gloire, exaucé encore, mon Père et mon Dieu, le peuple d'Israël, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, devant la mer rouge, alléluia. Père, tu as fondu la mer rouge en deux et le peuple est passé. Oh, Dieu de gloire, Père, quelle situation, Seigneur. Quelle situation, Yeshua, peut être un obstacle devant nous, Père. Dieu de gloire, tes enfants, ton Ecclésia, Seigneur, Seigneur Père. Parle sur les vies. Ton Ecclésia, Yeshua, Père. Parle ton épouse, ta bien-aimée. La vie de ma soeur. Alléluia. Seigneur, viens réveiller. Toi qui renouvelles toutes choses. Seigneur, viens réveiller, Dieu de gloire, Père. Apprends-nous, Seigneur. Il y a un cœur qui a soif. À t'adorer. Il y a un cœur qui s'attend à toi, Yeshua. Seigneur, nous voulons te trouver ce matin. Alléluia, Père. Reçois nos vies. Reçois nos cœurs. Seigneur, tu as déchiré le voile pour nous permettre d'avoir accès au sein des saints. Seigneur, s'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix, nous n'aurions pas pu ouvrir nos bouches et t'adresser des chants de louange, des chants d'adoration. Seigneur, tu es digne. Toi seul qui as été trouvé, jugé digne d'ouvrir le livre. Toi seul qui as été trouvé digne d'aller, Seigneur mon Dieu, pour la rédemption de toute l'humanité. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te rendre des actions de grâce? Comment ne pas te dire qui tu es? Comment ne pas le proclamer, Seigneur? Père, ce matin, nous voulons simplement te demander de nous apprendre à t'adorer, de nous apprendre à te rendre ces actions de grâce que tu mérites. Seigneur, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui suis-je, Seigneur, pour que tu m'aies eu en pensée? Seigneur, tu avais tout préparé, Seigneur, à l'avance. Tu t'es fait immoler avant la fondation du monde. Seigneur, qui peut se comparer à toi, Adonai? Qui peut se comparer à Yeshua? Seigneur, tu sièges dans ta puissance et les anges dans les cieux t'adorent. Ils t'élèvent, ils te magnifient. Ils étaient surpris par l'œuvre que tu as accomplie pour les hommes. Ils sont en admiration. Ils jettent leur couronne devant ton trône. Seigneur, nous voulons en faire autant ce matin. Apprends-nous, Père. Les anges t'adorent. Apprends-moi chaque jour à t'adorer. Apprends-moi, Yeshua, oui. Apprends-moi chaque jour à t'adorer. Apprends-moi chaque jour à t'obéir. Oh oui. Chaque jour à t'adorer. Je veux apprendre. Apprends-moi chaque jour à t'obéir. Apprends-moi. Jour à t'obéir, comme les
sont devant toi ce matin, Père, à vie. Nous voulons t'honorer ce matin, Père. Oui, Père, parce que tu es digne, Père. Nous ne voulons pas rater le royaume. Nous voulons vivre dans ce royaume, Seigneur. Seigneur, chaque jour, nous voulons nous le rappeler, Seigneur. C'est notre but. Oui, Seigneur. C'est notre destination finale, Père. Que rien ne nous arrête, Père, car ta venue est proche. Nous voulons, Seigneur, être dans ce royaume avec toi. Nous voulons, Seigneur, être dans la paix, la félicité, Seigneur, avec toi. Nous voulons être, Seigneur, dans le paradis céleste avec toi. Oui, ces choses sont vraies, paix, ta parole est vérité. Nous refusons de rater le royaume. Nous voulons nous efforcer de courir. Nous voulons, Seigneur, user de violence pour entrer dans son royaume, Père. Nous ne voulons pas écouter la chair. Nous ne voulons pas écouter, Seigneur, les hommes. Nous voulons nous focaliser sur la parole, Seigneur. Ta glorieuse présence, Seigneur, te voir face à face, Yeshua. Nous
notre foi. Père, nous voulons, Seigneur, voir, Seigneur. Oh Yeshua, tout ce que tu nous as promis, ces maisons, Seigneur, cette cité en or, nous voulons la voir, la nouvelle Jérusalem. Nous voulons courir sur ces rues pavées d'or. Père, nous voulons pas rater ces choses. Je t'en supplie, nous voulons saisir ton royaume, Père. Donne-nous, Seigneur, de nous arc-bouter à toi, de nous attacher fortement à toi, Père, de ne pas baisser les bras, de ne pas être découragé, Père. Seigneur, tu as vu mon frère, tu as vu ma soeur, Père. Que tout ce qui était découragé soit relevé, soit fortifié par toi. Que tout ce qui voulait abandonner soit fortifié par toi, Seigneur. Car, Seigneur, le royaume est proche. Tu reviens nous prendre. Notre délivrance approche. Oh, nous voulons jouir, Seigneur, de cette vie avec toi. C'est de tels moments qu'on est vraiment encouragé et boosté à persévérer encore plus, boosté à nous attacher fortement au Seigneur. Et on va prendre un passage. Le passage de Luc, chapitre 22. Vous allez voir quelque chose de merveilleux que le Seigneur a fait pour nous. On va tous se réjouir. Alléluia. Juste un verset. Luc, chapitre 22. Ah, Père, merci. Merci pour ta fidélité. Luc, chapitre 22. Si quelqu'un peut lire à partir du verset 31, s'il vous plaît. Luc 22. À partir du verset 31. Ouais. Mais le Seigneur dit, Shimon, Shimon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Alléluia, on peut s'arrêter ici. Donc c'est juste ce verset-là que je voulais nous montrer un peu ce matin. Je pense que beaucoup le connaissent. Et il y a une chose qui me touche ici, c'est ce que le Seigneur dit qu'il a fait pour Pierre. Et il annonce une réalité que l'on connaît tous, que l'on vit tous, pour ceux qui sont enfants d'Élohim. Je vais relire le passage. Mais le Seigneur dit, Shimon, Shimon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Alléluia. L'ennemi, le Seigneur, pardon, connaît le combat dans lequel nous sommes engagés. L'ennemi connaît le combat que nous subissons. L'ennemi connaît combien de fois l'ennemi nous... Le Seigneur connaît combien de fois nous souffrons dans cette marche, combien de fois c'est difficile. Le Seigneur connaît combien de fois nous sommes attaqués, nous sommes oppressés. Le Seigneur le connaît très bien et il va dire cela à Pierre. Il dit, l'ennemi, Satan, vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, comme du blé, mais j'ai prié pour vous. Le Seigneur n'a pas dit ici qu'il a empêché Satan de nous cribler, de nous tenter des trucs comme ça, de nous oppresser, non. Mais il a prié par contre pour que notre foi tiennent ferme. Et ça, c'est encourageant. Donc, ça veut dire que quel que soit ce que tu vis là, en fait, tout ce que tu traverses, tout ce que je traverse, tout ce que nous traversons, le Seigneur le savait déjà. Ce sont les choses qu'il a prévues dans la marche. Mais d'avance, il a prié pour que notre foi ne défaille point. Ne défaille point. Donc, Yeshua sait que tu dois tenir parce qu'il a prié pour toi. Et ce n'est pas n'importe qui a prié pour toi. C'est l'apôtre des apôtres. Alléluia. C'est l'apôtre par excellence. Yeshua a prié d'avance pour l'église, pour qu'elle tienne ferme. Et c'est ce que nous voulons dire à nos frères et à nos sœurs ce matin.
Le Seigneur a prié pour toi. Dans ta situation, il a prié pour toi. Il a intercédé. Il a crié au Père pour toi, pour ta situation. Pas pour qu'elle s'arrête, parce qu'au travers de cette situation, son caractère va sortir. Mais il a prié par contre pour que tu n'abandonnes pas, pour que ta foi ne défaille point, pour qu'elle tienne ferme. Et j'essaie de lire dans une version, quand vous lisez par exemple, je crois la Darby, il dit, Satan vous a réclamé, voilà, Satan a demandé à vous avoir, c'est la version Darby, il a demandé à vous avoir, voilà, mais j'ai prié pour que votre foi ne défaille point. Et il y a une expression que le Seigneur utilise ici, voilà, il dit, en parlant de l'ennemi qui nous assaille, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, cribler. Et il y a une expression que l'on connaît tous, elle est utilisée souvent dans les enquêtes de police et tout ça, cet homme par exemple a été criblé de balles, du tout comme ça. Donc, le Seigneur nous montre déjà le nombre, le genre, le type d'attaque que l'ennemi l'ennemi nous fait. Il dit qu'il nous crible, il nous assaille. Être criblé de balles, par exemple, c'est avoir des balles un peu partout. Avoir des balles, que ce soit depuis la tête jusqu'aux pieds. Être criblé de balles. Il dit que les attaques, en fait, le Seigneur nous montre ici que les attaques que nous subissons sont de ce type-là. Comme un homme qui est criblé, en fait, de balles. Et ça, on le vit. Je ne suis pas le seul à le vivre. Voyez à quel point. Parfois, on se demande même si on est possédé. Je crois que ça vous arrive aussi. Avec des pensées, avec des désirs que vous ne comprenez pas, même des désirs que vous n'aviez pas quand vous étiez converti. Bizarrement, vous les avez quand vous êtes chrétien. Nous sommes criblés jour et nuit. Nous sommes attaqués. Et tous les chrétiens doivent le savoir. Tu es attaqué, tu es criblé. L'ennemi pourchasse ta foi. Il veut l'atteindre. Le but du diable, c'est déstabiliser ta foi, c'est éteindre ta foi. C'est pourquoi il te crible avec des mauvaises pensées. Ce n'est pas que tu es forcément possédé. Il t'assaille jour et nuit. Je nous rappelle que Satan, ce n'est pas un humain, c'est un esprit. Donc, il ne dort pas. Pendant que nous, on peut se reposer et toutes ces choses-là, lui ne le fait pas. Donc, il n'a pas de repos. Son but, c'est de nous avoir, de nous faire tomber. C'est ça son objectif, c'est de t'atteindre, c'est de te ramener dans le monde et que ta situation devienne pire. C'est ce que l'ennemi veut. C'est pourquoi tu es autant oppressé. Regarde que tout ce que tu subis là, tu ne le vivais pas avant. Tu le vis pourquoi? C'est parce que tu as foi en Yeshua. C'est parce que tu as une espérance vivante. C'est parce que tu attends le retour du maître, parce que tu veux partir. Mais l'ennemi ne veut pas que tu ailles là-bas en fait. C'est pourquoi il t'attaque, il t'assaille par des mauvaises pensées, par des incompréhensions à chaque fois. Tu as du mal en fait, même au travail, tu ne sais pas pourquoi tu es à chaque fois incompris. C'est quand tu arrives que les gens sont dérangés. C'est comme si tu dérangeais tout le monde. C'est à cause de ta foi, c'est à cause de la lumière qui est en toi. Et l'ennemi veut te décourager, il veut te déstabiliser. Mais je voudrais te dire une chose. C'est que Yeshua, notre Seigneur, notre Maître, a déjà prié pour toi pour que tu ne te décourages pas. C'est une très bonne nouvelle et nous nous réjouissons de cela. Alléluia. Et ce n'est pas la première fois que Yeshua va se mettre à prier pour l'Église, notamment dans Jean chapitre 17. Il a prié. Donc le Seigneur nous montre ici qu'il tient vraiment à cœur ses élus. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Et c'est vraiment quelque chose de rassurant de savoir que le Seigneur lui-même a pris la peine de citer nos noms dans la prière. Wow. Oh. Il a crié, Jeannette, il a crié, Marco, il a crié, Franck, Teddy, il a crié pour que ta foi tienne ferme, pour qu'elle ne défaille pas. Yeah. Donc ce que tu vis là, le Seigneur t'a déjà donné la victoire. Yes. Parce que l'apôtre par excellence, le souverain sacrificateur a intercédé pour toi. Donc tu ne peux pas abandonner parce que Yeshua a prié pour toi. Si moi peut-être j'avais prié pour toi, j'allais comprendre, c'est un peu différent. Mais l'excellence lui-même, et on se connaît quand même, Yeshua, toutes ses prières sont exaucées. Alléluia. Donc, mon frère, tu n'as pas à te décourager. Tu n'as pas à baisser les bras. Alléluia. C'est une joie pour nous de savoir que Elohim,
a intercédé pour nous. Que Yahshua Mashiach nous porte tellement à cœur qu'il a payé le prix dans la prière pour nous. Donc tu ne dois pas laisser, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas te décourager. Quelle que soit ta situation, tu dois rester attaché à Yeshua. Tu dois rester attaché à Elohim. Parce qu'il a prié pour toi. L'ennemi va te cribler. Il va changer de balle. Il va changer même d'arme. Il va prendre le M16. Il va prendre je ne sais pas quoi, le type de fusil, le calibre 12. Il va même prendre, je ne sais pas, Satan 2, l'arme russe là. Il va tout utiliser. Mais Yeshua d'avance a déjà prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Alléluia. Donc je ne sais pas si avec une nouvelle qui nous réjouit comme ça, nous ne pouvons qu'être encouragés, nous ne pouvons qu'être boostés dans notre foi, de savoir que mais celui que l'on suit là, non seulement il est passé par là, il a vaincu, mais il a aussi prié pour nous parce qu'il savait qu'on devait venir à la suite, vivant les mêmes épreuves, traversant les mêmes difficultés. Et il nous a donné la capacité de tenir ferme. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça. C'est merveilleux. Moi, alléluia. Additionnellement à ça, la pensée qui m'est revenue, c'est qu'il ne s'est pas contenté de prier pour nous. Il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Alléluia. Et personne ne l'a conseillé de le faire. De son propre chef, il a décidé. Alléluia. Que Espérance, Luricla, Émilie, Mélissa, tous les frères en Yeshua, il a décidé d'inscrire nos noms dans son livre de vie. Alléluia. Et sa personne a dit, Seigneur, fais-le de son propre chef. Alléluia. Quel amour immense. Et on sait que quand le Seigneur ouvre, personne ne peut fermer. Amen. On sait que quand il écrit, personne ne peut effacer, même pas le blanco. Alléluia. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça, mes soeurs. Amen. Moi, ça m'encourage vraiment. En fait, la pensée que j'ai, c'est quand même assez particulière parce que le Seigneur vient dire à Pierre, il dit, Satan t'a criblé, mais j'ai prié. Ah. En fait, c'est comme si le Seigneur veut nous interpeller dans le sens où on peut vivre des épreuves, on peut être oppressé, mais qu'on ne s'attarde pas sur ça, en fait. Amen. Parce que souvent, nous, les chrétiens, ce qui fait qu'on tombe, c'est parce qu'on s'attarde, en fait, sur ces épreuves qu'on traverse. Peut-être parce qu'on on vit une situation difficile, on a des pensées, on a des oppressions, et on ne regarde pas, en fait, le Seigneur ne voudrait pas qu'on fixe les regards sur ça, mais qu'on regarde, en fait, à la victoire qu'il nous a déjà donnée. Alléluia. Et dans ce passage de Jean 15, il va dire, en fait, à ses apôtres, à ses disciples, non, dans Jean 15, il va dire à ses disciples que vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Ça veut dire qu'en fait, en vérité, nous sommes censés passer par les épreuves, par les difficultés. Nous sommes censés, en fait, Satan, pour nous, c'est normal. Mais comme vraiment SP pouvait le dire, c'est on est déjà dans la victoire. Donc on doit vraiment fixer les regards sur ça. Et il y a ce passage aussi dans Hébreux 11, si on peut vite le lire. Alléluia. Dans Hébreux 11, 14. Alléluia. Merci, la Bible, Seigneur, nous parle des héros, les héros de la foi. Ah, Yeshua. Hébreux 11, verset 14. Hébreux chapitre 11. Je vais lire le verset 14. On va dire le verset 13. À partir du verset 13. Oui. Alléluia. La parole déclare, tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu les promesses, mais ils les ont vus de loin, crus et salués. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Car ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent leur pays natal. Amen. Le verset 13 dit tout cela en parlant de toutes ces personnes qui nous ont précédées, donc les apôtres et tout le reste, et ceux de l'ancienne alliance, qui sont morts dans la foi. Amen. Ça veut dire que ça doit être notre combat quotidien. Le véritable combat dont on parle, c'est vraiment le combat de la foi. Même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas le travail, même si tu es oppressé tellement, tu te dis, mais le Seigneur te dit, garde ta foi jusqu'à la fin. C'est la seule chose que tu dois maintenir jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tu peux tout avoir, toute forme d'oppression peut te mettre dehors, tes parents peuvent te rejeter, mais garde ta foi. En fait, que le Seigneur nous aide à vraiment, je crois qu'il n'a pas permis que tous ces témoignages soient vains. Ces témoignages de ces hommes et ces femmes qui ont gardé la foi jusqu'à leur mort. Ça veut dire que même quand, c'est un peu cette image de ces chrétiens qui étaient persécutés, on les brûlait, ils étaient vraiment brûlés, mais
on nous dit à cette époque que pendant qu'ils étaient brûlés, ils chantaient des louanges. Donc ils sont morts, mais avec la foi. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous booster, parce que les chrétiens aujourd'hui, on regarde beaucoup plus aux épreuves. Oh vraiment mon frère, je n'arrive plus à prier parce que je souffre, vraiment je t'assure, je suis refroidi, vraiment je n'arrive plus à méditer. Mais si tu te rends compte que Yeshua a déjà tout accompli, il a déjà prié d'avance pour toi, il t'a déjà donné la victoire, alors ne regarde plus à toutes ces épreuves, ne regarde plus à toutes ces complications, mais fixe les regards sur l'objectif, comme ces personnes qui réalisaient qu'elles étaient de passage. On est de passage sur terre, on est en train d'aller quelque part. Et ce quelque part là, le Seigneur nous l'a dit, on connaît où on va. Donc vraiment, le Seigneur nous encourage fortement ce matin. Alléluia. Et on va prendre un passage dans 1 Jean. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous encourage par sa parole, qu'il fortifie ses élus, ses saints, tous qui entendront le son de la trompette. Préparons-nous tous, alléluia, le Seigneur veut nous encourager. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset, juste le verset 4. Justement la foi que Satan déteste, la foi qu'il cherche depuis, la foi qu'il cherche à atteindre. Cette foi que nous avons en notre Sauveur. Et la parole déclare, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 4. Parce que tout ce qui est engendré d'Elohim remporte la victoire. Ça c'est compliqué ça. Parce que tout ce qui est engendré d'Elohim remporte la victoire sur le monde. Et la victoire qui a remporté, c'est ça, non? La victoire qui a remporté la victoire sur le monde, c'est notre foi. Waouh, mais ça c'est grave ça. Donc notre foi est une victoire d'après ce passage. Il dit la victoire qui a remporté la victoire, c'est notre foi. Donc voilà pourquoi justement Satan t'attaque. Parce que tu es dans la victoire. Tu as cette victoire. Et cette victoire là, c'est la foi en Elohim. C'est la foi en Yahushua. C'est cette foi que l'ennemi veut atteindre, qu'il veut déstabiliser. Mais la parole nous dit ici que tout ce qui est engendré d'Elohim, donc tous ceux qui sont nés du Seigneur Yahushua, tous qui sont passés par la nouvelle naissance, tous qui croient en Yahushua, Mashiach, le Seigneur leur a donné la victoire par la foi qu'ils ont. Il leur a donné la victoire sur le monde. Et leur foi constitue une victoire déjà. Donc croire en Yahushua, c'est avoir la victoire sur l'ennemi et le monde. Donc si tu crois en Yahushua, le monde ne peut rien te faire. Le monde peut faire des farces devant toi, peut passer un peu comme, voilà, je sais pas quoi, différents tableaux qui passent devant toi pour essayer de t'impressionner. Mais en fait, tu as déjà la victoire, tu es déjà victorieux en fait sur le monde. Et ça, c'est encourageant de savoir que nous avons la victoire. J'ai la victoire. Donc je vis ce que je vis, mais je suis déjà champion. Donc tout est déjà fait là, c'est bon, à la fin, c'est bon, je serai. Voilà. Et donc c'est vraiment pour nous encourager, vraiment pour nous booster encore par la grâce du Seigneur ce matin. Nous sommes tous, nous traversons tous des difficultés, nous passons tous par des situations. Mais ce matin le Seigneur veut nous dire que nous avons la victoire. Il a commencé à nous dire qu'il a prié pour nous, pour que l'on tienne et que l'on ne sera pas déstabilisé. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans la victoire. Donc soyons vraiment encouragés. À toi, mon frère qui nous regarde, à toi, ma soeur, qui est, voilà, passe par les épreuves, toi qui es éprouvé par la maladie, qui a essayé de prendre tous les médicaments, qui a essayé de, voilà, à qui certainement même, pour qui les frères ont prié, mais il n'y a certainement pas eu de suite. C'est certainement une épreuve dans laquelle le Seigneur t'a placé, mais il ne faudrait pas que ta foi défaille. Il faut véritablement que tu t'attaches au Seigneur, il ne faudrait pas que cette maladie soit une occasion pour que tu retournes, pour que tu te décourages. Non, sois fortifié. Le Seigneur t'a donné la victoire en dépit de cette maladie. Le Seigneur t'a donné la victoire en dépit de la situation de manque dans laquelle tu es. Il t'a déjà donné la victoire. Alléluia. Je sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose encore ou un chant, je sais pas. On va chanter le cantique, le vrai cep. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur pour cet encouragement. Merci Seigneur pour tes fils et tes filles. Seigneur, nous te bénissons pour nos frères et nos sœurs.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour la victoire que tu nous as donnée, Seigneur. Donne-nous vraiment de lever la tête, Seigneur Père. Nous te bénissons, Seigneur. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Yeshua. Alléluia. Nous voulons nous attacher. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Et nous ne voulons plus regarder. Nous te rendons les acclamations. Parce que tu nous sauves chaque jour. Tu nous donnes la victoire, Seigneur. Oh, alléluia. Que tes fils et tes filles soient encouragés. Que nos filles soient encouragées encore ce matin, Seigneur. Au nom de Yeshua, Père. Alléluia. Demeure en moi, je demeurerai en toi. Alléluia. Demeure en moi, avec toi je marcherai. Si tu demeures en moi, ton cœur et mon cœur ne feront qu'un. Si tu demeures en moi, tu vivras ma sainteté. Demeure en moi, je demeurerai en toi. Demeure en moi, avec toi je marcherai. Si tu demeures en moi, ton cœur et mon cœur ne feront qu'un. Si tu demeures en moi, tu vivras ma sainteté. Car je suis le vrai cèpe, je suis le vrai pain. Mange de moi et tu vivras. Car je suis le vrai cèpe, je suis le vrai pain. Reste sur moi et ma joie te comblera. Car je suis le vrai cèpe, je suis le vrai pain. Mange de moi et tu vivras. Et tu vivras. Je suis le vrai cèpe. Je suis le vrai pain, reste sur moi et ma joie te comblera. Depuis le sein de ta mère, je t'ai connu. Oh, avant que tu ne sois, je t'avais déjà choisi. Hey. Je t'ai promis que je ne t'abandonnerai pas. Voici, tu es gravé sur mes mains. Oui, si tu demeures en moi, je demeure en toi. Si tu me suis malgré les combats, oui, tu es mon serment. Reste attaché à moi et tu sauras que je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. Reste attaché au Seigneur. Je t'aime, mon fils. Que rien ne te sépare je du Seigneur. Je t'aime, ma fille. Que tes yeux restent fixés sur Elohim. Mon fils. Il est celui qui je t'a appelé. Je t'aime, ma fille. Et qui va parachever l'œuvre qu'il a commencé dans ta mon vie. Fils. Sois davantage fortifié. Ma fille. Ta délivrance approche. Mon fils. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Je t'aime, ma fille. Reste attaché à je Elohim. Je t'aime, mon fils. Alléluia. Je t'aime. Ma fille, car je suis le vrai cèpe, je suis le vrai pain. Mange de moi et tu vivras. Car je suis le vrai cèpe, je suis le vrai pain. Reste sur moi et ma joie te comblera. Oh, oui, oh. Alléluia, Seigneur Père. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur Père. Nous voulons vraiment demeurer en toi, Seigneur. Demeurer dans tes parvis, demeurer dans ta présence. Rester, Seigneur, attaché à ta parole, Seigneur mon roi. La parole de vérité que tu es, Seigneur mon roi Père. Sans nous détourner, Seigneur. Seigneur soit béni. Alléluia. Qu'il soit élevé, proclamé à jamais. Restera ta parole. Oh Yeshua. Ta promesse restera ta promesse. C'est parce que tu as dit la chose arrive. Mashiach. Yeshua. Yeshua.
Ta parole restera ta parole. Ta promesse restera ta promesse. Si parce que tu as dit, la chose arrive. Mashiach est. Mon esprit tout est confus, je perds courage, toutes mes forces me laissent, et j'ai peur que pour ça, mon amour pour toi faillisse. Mais cela ne dépend pas de moi, car tu es fidèle. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Peu importe le temps et les circonstances, sur mon visage, Mashiach est. Yeshua, Yeshua est. Oui, ta parole restera ta parole. Ta promesse restera ta promesse. C'est parce que tu as la dit, chose arrive. La chose arrive. Oh Yeshua, Yeshua, ta parole restera ta parole, et ta promesse restera ta promesse. C'est parce que tu as dit, la chose arrive. Yeshua. De ma mère, Seigneur, tu m'as façonné. Alléluia. Je te crains. Alléluia. Oh. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Ma destinée est en toi. Toi qui nous as choisi depuis le ventre de notre mère. Toi qui nous as établi. Alléluia. Pour que nous te servions l'esprit en vérité. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Merci pour cet appel, pour cette vocation, Père. Nous te rendons l'honneur et la gloire. Nous voulons, Seigneur, rester fidèles, Père, à toi, Père. Alléluia. Depuis le vent. Et je suis enfin sonné pour le craindre. Il n'a pas vu ce que j'étais dans le monde, mais il voyait déjà ce que je devais être en lui. En fait, j'étais destiné à servir Yeshua, destiné à vivre sa vie. Destiné à parler de lui, destiné à vivre pour lui, ah, destiné, destiné, elle est en lui, ma destinée, destinée, elle est en lui, ma destinée, destinée, elle est en lui, ma destinée. Destinée, elle est en lui. Ma destinée, destinée, elle est en lui. En Yeshua, elle est. Ma destinée, destinée, elle est en lui. Ma destinée, elle est en lui. En Yeshua. Je vois un peu plus clairement, car j'ai perdu mon temps, Seigneur Père, alléluia. J'ai perdu mon temps dans le monde, Seigneur Yeshua Père.
J'ai perdu mon temps, Seigneur, mon roi Père, alors que tu étais là, tu m'attendais, Seigneur. Je t'ai destiné à te servir, destiné à te suivre, Seigneur Père. Oh Seigneur Yeshua, Père, merci pour ton amour, Seigneur. Se trouve en toi, Seigneur, mon roi Père. Tu vois toutes ces personnes qui tournent en rond, toutes ces personnes qui errent, Seigneur Yeshua, sans toi. Attire-les à toi, Seigneur, mon roi Père. Qu'elles se sentent attirées vers le berger que tu es, Seigneur. Qu'elles se sentent attirées vers la vie que tu es, Seigneur Père. Vers le chemin que tu es, Seigneur. Alléluia. Nous étions vraiment destinés à toi, Seigneur. Oui, Papa. Car à l'origine, tu nous as créés pour toi, Seigneur Père. Tu ne nous as pas créés pour le monde. Tu ne nous as pas créés pour servir les idoles, pour servir les démons, Seigneur. Mais pour t'adorer, pour te servir, pour vivre pour toi, Seigneur Père. Oh Seigneur, sois Père. Véritablement, Seigneur, destiné pour toi, Seigneur. Destiné. Destiné à parler de toi. Alléluia, Seigneur, tu mérites la louange, Papa. Seigneur, à toi seul soit la gloire, Père. Papa, nous voulons nous réjouir en toi, Elohim et Adonai, Père. Oui, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous réjouir en toi, merci, Seigneur, parce qu'en toutes choses, nous sommes plus pour que vainqueurs, Seigneur. Parce que nous marchons dans la victoire, nous tu combattons dans la victoire, Seigneur Père, oh Yahweh. Nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur Père, oh Yahweh. Nous ne voulons plus avoir de gloire, ce visage triste, Dieu. Nous voulons plus être dans la tristesse parce que nous passons par ce parfois nous passons, Seigneur. Mais nous voulons nous réjouir, Père. Nous voulons te louer, Papa. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, en toi, Père. Donne cela à ma famille, Père. À cause de cette victoire. Mais je veux regarder à toi, Seigneur Père. Mes yeux, Seigneur, doivent être fixés sur toi. Nous réjouissons. Tu es celui qui m'encourage, Père. Oh Yahweh, c'est celui qui, en toi, Seigneur, me fortifie. Rien que sur toi, Seigneur. Alléluia. Père, nous voulons nous réjouir encore, Papa. Peu importe les vents, peu importe les mains. Nous voulons te louer, Seigneur. Peu importe, Seigneur, les choix, Père. Nous voulons te louer, Seigneur. Vent, Seigneur. Car tu mérites, alléluia. Toujours. Que mon âme, que mon être entier se réjouisse. Seigneur, que tout en moi se réjouisse encore, Dieu de gloire, Père. Parce que je marche dans la victoire, Seigneur. Oh, je veux me réjouir. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de mon salut. Je veux me réjouir en toi, Seigneur. Je veux me réjouir en toi, Seigneur. Alléluia. Le Dieu de mon salut, c'est toi. L'Élohim de mon salut, c'est toi. Je veux me réjouir en toi, Yéhoshua. Alléluia. Oh, Seigneur, Père. Alléluia. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, pour ta main. Qui est sur nous. Ta vie est là, mais elle est étouffée par les soucis du monde. Oh Yeshua, ta vie est là, mais elle est étouffée par les soucis du monde. Oh Yeshua,
fais-moi grâce. Yeshua, fais-moi grâce. Je veux voir ta face. Oh Yeshua, fais-moi grâce. Yeshua, fais-moi grâce. Je veux voir ta face. Oh Yeshua, des vieilles habitudes, je suis fatiguée des œuvres de la chair, je veux grandir avec toi Père, encore plus de toi Seigneur, fais-moi grâce Seigneur. Ta vie est là Seigneur, mais elle est étouffée par les soucis de la terre Seigneur, ta vie est là. Seigneur Père, cette vie est en moi, Papa. Cette nature est là, Yeshua. Seigneur, je suis l'empreinte de ta personne ici-bas, Papa. Alléluia.
Je suis l'empreinte que tu existes bel et bien, papa. Au travers de ma vie, on doit voir ta nature, Seigneur. Au travers de mes paroles, de mes actions, de mes réactions, Yeshua, Père. Je suis fatiguée du vieil homme qui est toujours là. Je suis fatiguée des vieilles habitudes, Père. Je veux voir ta nature en moi, Seigneur. Je veux voir ta vie. Seigneur, oui, papa, nous voulons grandir avec toi. Car la Bible dit, Seigneur Yeshua, que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Nous ne voulons pas nous lasser de nous laisser façonner par toi. Lorsque tu nous reprends sur un aspect de nos vies, nous voulons nous humilier pour laisser ta main nous façonner. Nous voulons nous abandonner tel, Seigneur, mon roi, Père, ce vase qui se laisse façonner par le divin potier. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur Yeshua, t'empêcher de faire ton œuvre dans nos vies. Seigneur, viens encore, papa. Viens encore, Seigneur Yeshua, papa, façonner nos cœurs, transformer nos vies. Chaque jour que tu nous accordes, c'est encore un nouvel élan que tu nous donnes, Seigneur, pour encore venir avec toi, pour encore venir près de toi, Seigneur. Fais-moi grâce, 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 fais-moi grâce. Fais-moi grâce, 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 oh Seigneur Père. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation de tes fils. Mais Seigneur, regarde toutes ces années, Père. Alors que Seigneur Yeshua, nous devions davantage être ta révélation par notre vie, Seigneur Père. Seigneur, lorsque tu étais sur terre, Seigneur Yeshua, tu ne pouvais passer inaperçu. Pourtant, la Bible dit que tu n'avais ni beauté ni éclat. Mais parce que ta vie était l'empreinte, Seigneur, de l'Élohim dans les cieux, parce que ta vie était l'empreinte de l'amour parfait, l'amour éternel. Alors tes œuvres ne pouvaient rester discrètes, Seigneur Yeshua. De même que nous, Seigneur Père, nous voulons vraiment te refléter, être cette lumière que tu as dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes cette ville située sur la montagne. Seigneur Père, nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Tu l'as dit, Seigneur Père, nous sommes ta précieuse, nous sommes ta bien-aimée. Oh Seigneur Yeshua, Père. Tu es saint, infiniment saint. Sainteté à ton nom, ta sainteté me remplit. Tu es véritablement saint et tu veux que nous puissions te ressembler, Père. Je t'en supplie, accorde-nous cette grâce de vivre pleinement ta sainteté, Père. De nous débarrasser de toute impureté, Père. Je t'en supplie. Car tu es saint. Sainteté à ton nom, Yeshua. Oui, Père, que ta sainteté nous remplisse encore, Père. Tu es infiniment saint, Père. Tu as dit, vous serez saint. Que notre vie ancienne soit engloutie dans cette nouvelle création. Car la Bible dit que toutes choses sont nouvelles en toi, Seigneur. Nous voulons vivre cette nouvelle création. Sans laquelle personne ne verra Elohim. Sans laquelle personne ne verra le Sauveur, Père. Sainteté, Seigneur, Père. Je prie que ta sainteté, la crainte d'Élohim dans nos cœurs, véritablement de désirer, Père, cela. De marcher en elle, Père. Tu as dit, chaque jour, Père, vous deviendrez de te sanctifier dans nos pensées, de te sanctifier dans nos cœurs. Alléluia. De te sanctifier dans nos vies, dans nos actes, Père. Que tu vives pleinement en nous. Aide-nous, Père, à nous efforcer, Père. À nous débarrasser des choses sur lesquelles tu pointes du doigt dans nos vies, Père. Car tu es saint.
Tu es saint. Nous voulons nous débarrasser de la colère, Père. Tu vois l'amour des richesses dans nos cœurs. Nous voulons nous débarrasser, Seigneur, des soucis. Tu vois la gloire dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons nous débarrasser de l'amour, Seigneur, Père. Aujourd'hui, on ne peut plus poser une simple action. On veut être connu de tout le monde, Seigneur. Tu vois les amitiés, Nous voulons nous débarrasser, Seigneur. Tu vois le copinage, le commérage. Tu vois, Seigneur, mon rappel dans ton église. Toutes ces choses qui se font. Seigneur, mon rappel, tu vois l'idolâtrie. Seigneur, tu vois la publicité, l'impureté, la dureté. Regarde, Seigneur, les mauvais désirs qu'il y a dans les cœurs. Seigneur, tu vois toutes ces choses, Seigneur, mon rappel. Oh, Adonai, qui a la vanité et la richesse dans les cœurs. Vanité du monde. Vaine gloire, Seigneur, mon rappel. Oh, Yeshua, arrache davantage. Oh, ton corps, Seigneur, mon roi, Père. La convoitise des yeux, Seigneur, l'orgueil de la vie. Regarde, Seigneur, mon roi, la séduction de soi. La séduction, Seigneur, mon roi, du monde qui est rentré dans l'église, papa. Oh, Yeshua, je te supplie, Seigneur, mon roi, papa. Regarde l'abandon de la foi. Regarde tous ces égarements, papa. Je te supplie, Seigneur, mon roi, Père. Ramène-nous à toi. Amène-toi à la sainteté. Que la sainteté, la rigueur de ta parole revienne, Seigneur. La discipline revienne. La vie de consécration, Père, qui a été remplacée par la distraction, Yeshua. Père, viens restaurer, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, papa. La véritable adoration. La véritable adoration dans les cœurs. Car la Bible dit que tu cherches. La Bible n'a pas dit que tu cherches des musiciens. La Bible n'a pas dit que tu cherches des chantres, des pasteurs. Tu as parlé des adorateurs, Yeshua. Car au ciel, c'est ce que nous passerons le temps à faire, t'adorer. T'adorer, te contempler, comme les anges le font, papa, et ne se lassent pas. Seigneur, mon roi, nous voulons vivre cette adoration, ce sacrifice de louange qui est l'offrande de nos vies, papa, qui se laisse consumer par le feu de ta parole, Seigneur. Oh, Yeshua, Père. Ah, Seigneur, mon roi, restaure. Restaure la sainteté dans nos cœurs. Viens encore régner, papa. Regarde comment le mouvement de ton esprit a fui nos réunions chrétiennes, Yeshua. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes tellement, Seigneur, assidus à la religion, Père, que, Seigneur, nous ne vivons plus l'excellence de la vie de ton esprit. Alléluia. Seigneur, alors que tu dis que l'esprit est comme le vent, nous ne savons pas d'où il vient et où il va, Seigneur. Nous voulons revivre cette vie de l'esprit, Seigneur, mon roi, Père, où tu nous conduis, où tu veux, Père, comme tu veux, Père, quand tu veux et avec qui tu veux, Seigneur, Père. Alléluia. Alléluia. J'ai à cœur qu'on chante ce chant. Adorons le roi, le Seigneur, Yahweh Tout-Puissant. Alléluia. J'ai à cœur qu'on chante ce chant-là pour rendre gloire au Seigneur, pour l'élever. Vraiment, il est merveilleux. Alléluia. Adorons le roi des rois, Yahweh Tout-Puissant. Adorons le roi des rois, Yahweh Tout-Puissant. Magnifions le roi des rois, Yahweh Tout-Puissant. Magnifions le roi. Il est digne d'être magnifique. Alléluia. Il est tout-puissant. Se prospère devant ce tout-puissant. Adorons le roi des rois. Qui est semblable à toi, oh Yahweh? Il est tout-puissant. Tous les pasteurs, tous les chanteurs, tous les évangélistes prêchissent leurs genoux. Adorons le roi. Tout le monde fléchit les genoux devant le roi. Sommes-nous pour ne pas l'élever? Il mérite la gloire. Adorons le roi. Oh! Des rois, quelle que soit l'extrémité de la terre, est tout-puissant. Oh! Exaltons le roi, mais mon âme dit que Yeshua tout-puissant. Adorons le roi. Les quatre coins de la terre. Dans le ciel et sur la terre, tous genoux fléchis devant lui. Adorons, adorons le roi des rois. Réjouis-toi, il est tout puissant. Saisis ta guitare et ton piano pour le tout puissant. Prends ta voix, prends ta famille, célèbre son
roi de gloire, telle est qui Je te chante, alléluia. Alléluia. 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 Je te lève, alléluia. Alléluia. Je te lève, alléluia. Alléluia. Je te lève, alléluia. Alléluia. Chante alléluia, alléluia, je te lève alléluia, alléluia, je m'exprime alléluia, alléluia, devant ton trône alléluia, alléluia. Alléluia. Adorons le roi des rois, celui qui m'a sauvé. Célébrez le Seigneur. Adorons le roi. Laisse-lui un peu de temps. Laisse-lui un peu de temps. Le est. Oh, je te lève. Alléluia. Alléluia. Allez, allez. Alléluia. Je t'exalte. Alléluia. Alléluia. Je pousse le cri de soir. Alléluia. Je te chante. Alléluia. Alléluia. Je te chante. Et la louange comme lui. Alléluia. Est-ce que tu connais quelqu'un sur cette terre Alléluia. Qui mérite toutes ces belles paroles si ce n'est ton sauveur? Alléluia. Je te chante, alléluia. Alléluia. Je te chante, alléluia. Par son sang. Alléluia. Celui qui nous a fait asseoir sur Alléluia. Le trône. Celui qui a caché nos vies en lui. Alléluia. À l'ancien. Alléluia. Dessous. Au rejeton de la postérité de David. Alléluia. À l'étoile brillante du matin. Alléluia. À celui qui console le peuple. Alléluia. Au réparateur des blesses. Alléluia. À celui qui tient. Alléluia. Le sauveur de ma soeur que je suis. Alléluia. Celui que tous les apôtres élèvent. Alléluia. La star incomparable. Alléluia. Celui qui mérite la révérence. Alléluia. Celui qui mérite la gloire et les honneurs. Alléluia. Celui de notre tout genou fléchit. Alléluia. Toutes les
paroles sont jetées devant lui. Alléluia. Toutes les belles paroles des chantres jetées devant lui. Alléluia. Les sonneurs jetées devant lui. Alléluia. La raison de toutes choses. Alléluia. Le fondement de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Seigneur Père, c'est toi qui es le centre de toutes choses, Seigneur Père. Et nous voulons encore te louer, encore plus te louer, te célébrer, Yeshua, Père. Alléluia. Oh, merci, Yeshua. Yahweh des miracles. Que serait le désir de Alléluia. Mon cœur si ce n'est d'élever sans ses noms par ma vie de chaque jour? M'efforcer à te ressembler depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité. Si je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne, ni que le véritable c'est toi. Oh l'admirable c'est toi. Devant ton nom c'est le soulantel Yeshua. Tous genoux fléchis, ni que le véritable c'est toi. Oh l'admirable c'est toi. Devant ton nom c'est le soulantel Yahweh. Tous genoux fléchis, il serait le désir de mon cœur si ce n'est d'élever son Saint-Nom par ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne, mais ni que le véritable c'est toi. Le choix tu es l'admirable c'est toi. Devant ton nom au ciel et sur la terre mon roi, toujours nous fléchis, mais ni que le véritable c'est toi. Mon amour, c'est toi. Devant ton nom au ciel et sur la terre mon roi, je nous fléchis. Que ton nom Yeshua soit béni. Kumama Yahweh. En cas si le tout trouve une raison d'être. Kumama Yahweh. Ton origine remonte depuis l'éternité. Kumama Yahweh. Yeshua Mashiach Yosalim Zambé. Kumama Yahweh. Que toute la gloire revienne à Yeshua. Kumama Yahweh. La vie et la vérité restent. Mama et Yahweh, les acclamations reviennent à Yeshua. Mama et Yahweh, Mama. Mama et Yahweh, que toute la gloire revienne à Yeshua. Mama et Yahweh, la vie et la vérité restent Yeshua. Qui sont Mama et Yahweh, Mama. Alléluia. Il est magnifique. Yes. Oh, on peut le chanter le premier. Le premier et le dernier. Celui qui était et qui est la parole.
parole manifestée, l'image du Dieu invisible, le premier, le dernier, celui qui était et qui est, la parole manifestée. Chantons-le encore. Je dépose tout, je dépose tout, oh, toute couronne, je dépose tout.
couronne de tous les princes. Je dépose tout. Tous les couronnes. Je dépose, Seigneur, tout. Toutes les couronnes. Je dépose ceux qui sont élevés en terre. Alléluia. Reviens, Seigneur, mon Père. Toutes les couronnes, prends tout. Parce que tu es digne. Non pas à nous, mais à ton nom, donne toi gloire. Seul, toi seul. Donne gloire à ton saint nom. Parce que c'est ton nom qui sauve, c'est ton nom qui délivre. C'est ton nom où il y a la puissance qui brise le péché et le souffle de la servitude, Seigneur. C'est pourquoi nous te donnons tout. Nous ne sommes que poussière, tu es tout. Reçois les honneurs, reçois la gloire, reçois toutes les belles paroles. Alléluia. J'attends mon bien-aimé, j'attends mon bien-aimé, j'attends mon bien-aimé, mon bien-aimé est en chemin. J'attends mon bien-aimé, j'attends mon bien-aimé, j'attends mon bien-aimé, mon bien-aimé est en chemin. J'attends mon bien-aimé. J'attends mon bien-aimé. Tu m'attends là-haut, Père. Remplis nos cœurs. Je m'en vais, oh. Je suis en route pour le ciel. Je suis en route pour les siens. Oh, moi je pars, vous vous restez.
reste. Je m'en vais, oh. Moi, je suis en route pour les nôtres. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Je m'en vais, je m'en vais, oh. Nous sommes en route. Seigneur, et nous ne voulons pas rester, non, Seigneur, pour rien au monde, Seigneur. Nous voulons passer l'éternité avec toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons partir avec toi. Avec toi, Seigneur, que rien ne nous retienne ici. Cette grâce ne pas rester. Accorde-nous cette grâce ne pas, Seigneur. Être découragé. Accorde à ma soeur, accorde à mon frère, accorde à moi de ne pas rester. Car personne n'est arrivé, Seigneur. Je t'en prie, accorde-nous d'y arriver, Père. Le ciel, alléluia. Accorde-nous de ne pas rester. Je t'en supplie. Je t'en prie. Je t'en supplie. Alléluia. On va peut-être chanter un dernier chant. C'est difficile de se séparer, mais il le faut. On va chanter un nouveau chant à la gloire du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un a cœur un chant. Qu'on bénisse le Seigneur et que... Alléluia. Oh, merci pour ce temps, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. La gloire te revient à toi seul, car tu es digne. Oh, je t'en supplie, Père. Toi, Seigneur. Toute la gloire à toi. À toi seul. L'honneur à toi, Seigneur. La louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, Seigneur.
Seigneur. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce temps que tu as permis que nous passions ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos cœurs qui ont été encouragés. Merci pour mon frère et ma sœur qui a été encouragé. Nous le croyons par ta grâce, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour qui a été déversé dans nos cœurs. Merci pour ta fidélité, Père. Garde-nous, Seigneur, sainement en toi, Père. Seigneur, ne permets pas que nous nous égarions, Père, dans les voies de ce monde, Père. Accorde-nous la grâce de rester attachés fidèlement à toi, Père. Je t'en supplie, Adonai. Je t'en supplie, Adonai. Sois glorifié, Père. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Vraiment, nous sommes très contents de ce que le Seigneur a fait. Nous bénissons le roi pour... Voilà, et nous lui rendons toute la gloire, un peu comme disaient les chants. Toute la gloire à Yahushua, à lui seul qui nous a sauvés, qui mérite toutes les belles paroles, à lui seul, à vous qui avez été avec nous pendant 7 ans de partage, de prière et de chant. Nous vous remercions. Nous bénissons Yahweh, nous lui rendons toute la gloire. Voilà, nous profitons également de l'occasion de vous rappeler que la plupart des chants, peut-être pas tous, mais la plupart des chants qui ont été voilà, chanté par la grâce du Seigneur sur ce plateau. Vous pourrez les retrouver sur les chaînes YouTube suivantes, JSB, voilà, sur la chaîne YouTube de Jésus, source de bénédiction, JSB, en abrégé JSB. Ensuite, vous avez également Musique de Vie. C'est une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez également retrouver ces chants-là. Vous avez également la chaîne YouTube MVP, Ma Voix pour Yahushua, voilà, en abrégé MVPY. Ma voix pour Yahweh, excusez-moi. MVPY, ma voix pour Yahweh. Vous avez également lordslikeoftheworld.com, c'est un site, voilà, sur lequel vous pourrez retrouver ces chants. S'il y a des chants que vous ne retrouvez pas, naturellement, ils n'ont pas encore été enregistrés. Donc, nous bénissons le Seigneur, voilà, que le Seigneur vous garde chez vous,
dans sa présence. Restons attachés au Seigneur et il nous fera davantage de bien. Il va nous protéger. Amen. Donc, soyez bénis. Merci à tous. À la prochaine, si le Seigneur Yahweh le veut.